Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP 14, donc pour un des derniers gameplays sur ce jeu là, car dans un peu moins d'une semaine, MotoGP 15 va sortir. Donc quand je dis les derniers gameplays, il en reste environ 4, 3 ou 4 ouais. Donc là on va se diriger vers un Grand Prix en pilote personnalisé avec la Yamaha Movistar sur le circuit de Catalunya. Donc là on va revivre un peu le Grand Prix, le dernier Grand Prix MotoGP hein, qui a été un petit peu assez mouvementé avec une chute de Marc Marquez, Alex Espargaro, Dovizioso, donc ça c'est peut-être les plus importants, et aussi Crutchlow, donc il y a eu tout ce monde là qui s'est croûté, c'était assez dommage. Mais bon, c'était une bonne course quand même, avec une quatrième victoire consécutive de Jorge Lorenzo, et toujours à un point de Rossi au classement général. Hein. Aussi en moto 2, Juan Zarco qui est arrivé de premier, et Fabio je crois qui est arrivé 6ème je crois, il me semble. Donc voilà, c'était un... on va dire que c'était bien comme Grand Prix. Donc alors, on va choisir nos petits réglages pour aller sur la piste. Donc petite information aussi, pourquoi j'étais là-dessus. Petite information, oh non, mais lui il fait du caprice là. Donc Farming Simulator 15, donc il n'y a plus de vidéo dessus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé tout simplement d'arrêter. Hein. J'en ai quasi ras le bol en fait là, donc j'arrête. Et donc je reprendrai avec du Euro Truck, hein, comme on avait parlé dans ma précédente vidéo qui est sortie hier. Donc alors là on va essayer quand même de remporter ce Grand Prix. Je sais pas si c'est moi qui a fait chuter Abraham, mais si c'est moi, excuse-moi. Voilà, déjà on est déjà dans le top 10, dans le top 11. Le top 9 n'existe pas, mais on est vraiment. Voilà, donc là on est déjà 8ème hein, pour le premier tour. Quand même essayer d'arriver premier. Donc au fait, pour ceux qui ne savent pas, MotoGP 15 a changé de date, hein, donc ce n'est plus le 19 juin, c'est le 24 juin, donc il va falloir patienter 5 jours en plus, ça va encore hein. Donc après il y aura du bon gameplay sur ce jeu là. Voilà, donc là je peux me rapprocher à Max de Lorenzo et de Marquez. La moto elle tourne pas. Rossi, sérieux. Oula, Bradle, oula. Oh là là. Ça c'est trop pas ce que je viens de faire là. Mais bon, c'est pas grave. C'est totalement connard. Bon, là on a encore le chance de façon d'arriver premier. Je vais pas passer à... Ok, j'ai voulu passer la deuxième mais la moto m'a dit non. Nope. Tu n'auras pas le droit de passer la deuxième, Francis. Donc là... Bradle Smith. Bradley, putain, Bradle Smith. Je fais un mix entre Stéphane Bradle et Bradley Smith. Ça fait un truc chelou. Pourquoi mes virages je les prends trop mal là. Allez. Non, on va pas sortir pour c'est dangereux. C'est toi Catalunya en plus. Allez. Oula. On est monté sur les vibreurs parce que nous, il y a vraiment des thugs. Hein. Allez. On est rentré dans le top 10 en plus, c'est parfait. On va ressortir un peu longtemps, je crois. Enfin, c'est bon. Si, peut-être en plus. Si je me coûte. Allez. Ouf, j'ai vraiment de la chance. J'aurais été un tout petit peu plus vite là, je serais tombé. Mais que mon talent. J'ai contrôlé donc. D'accord. Donc là, on a les deux Ducati juste devant. Normalement, les deux Ducati elles sont. Deuxième et troisième cette année. Sont plus puissants que l'année dernière, que l'année 2014. J'ai failli tomber là en plus.
Elles sont trop puissantes, ces Ducati. Doucement. Voilà. Quelle manœuvre de la part de Mathieu. Franchement, c'était magnifique. C'était super beau. Alors, donc là, on a Lorenzo, Rossi, Marquez, Pedrosa devant. J'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Va-t-on avoir Pedrosa et Rossi. Et moi, je dis non parce que. En plus, mon pneu est défoncé là, mon pneu arrière. Voilà. Oulala, attention. Et voilà, Marquez a été doublé. Non, ils m'ont repassé. Pourquoi je reste en troisième aussi? Je suis un peu thug là. Quel beau virage. Quel beau virage. Et vous ne passerez pas à tête à l'extérieur pour. Non, même pas. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, bon bah voilà, on est premier. Hein. Alors, dernier virage quand même. Oula. Par contre, si je me croûtais là, c'était vraiment la honte. La honte. Allez, petit cabrage, ça fait. Non, même pas. La moto, elle veut pas cabrer, hein, tant pis. Voilà, donc on est arrivé premier, donc une première place. Ça faisait super longtemps, et on est arrivé premier, là, c'est parfait. Les vainqueurs de la course se rendent au parc. Voilà, donc là, on va pouvoir aller rejoindre notre podium. Notre. Non, c'est déjà le parc fermé parce que le podium de la MotoGP 14 n'en a pas. C'est le parc fermé avec Lorenzo et Marquez en arrière-plan. Et puis, on va. Pas de motorhome parce que. On va pas rejoindre de motorhome. Ok. Donc, on va pas rejoindre de motorhome parce que là, on n'est pas en carrière. Donc, là, on va rejoindre directement notre menu principal. Donc. Voili, voilou. Voilà, donc j'espère que ce Grand Prix, où on a remporté une petite victoire comme ça, on a remporté un Grand Prix plutôt, vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter et liker. Liker vraiment parce que ça me permet de savoir si les vidéos sont bien ou pas. Et je vous dis à la prochaine, donc à demain, ou après-demain, ou après-après-demain, on verra. Hein. Là, je fais pas de programme comme la dernière fois, il n'y aura pas de programme. Donc les vidéos sortent dans la semaine comme ça, hein, au pif. Et je vous dis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur MotoGP 14 ou Euro Truck, peut-être cette semaine. C'est sûr, il y en aura d'Euro Truck cette semaine, mais je ne sais pas. Pas demain en tout cas. Je pense pas.